Et bonjour et bienvenue, enfin rebonjour pour ceux qui viennent de la partie 9 juste avant. Nous sommes sur la partie 10 de Quantum Break. Juste après. Oh, ok. Très bien. Juste après la fracture temporelle qui commence, enfin qui a lieu actuellement. On a déjà des flingues ici. Ah, il était revenu en arrière. Quoi? Un peu de sordu toi. Il est où l'autre? Ah, ta mère. Extrêmement stylé comme ce train là. Vraiment une scène plutôt stylée. Quoi encore? Laissez-moi mater le train, bordel! C'est fou ça quand même. T'en veux aussi? C'est dingue ça! Et nom de Dieu! Ah, je trouve ça incroyable ce truc du train là. Avec les chaises et tout, putain, c'est vraiment trop stylé. Par contre, on a ça à écouter. Il y a encore un ennemi d'ailleurs là, je viens de le voir. C'est un gros ça? Non, ça c'est un gros. What? Ah oui, il a pris sa place. Donc là, il n'y a rien. Si, là. Là. Je savais qu'il y avait un truc là, pourquoi il voulait pas? Bon, un objet narratif sur 18. Ok. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas... Ah bah si. Et ça va être plus vers là-bas. En haut là? Non. Non. Jack, ce sera à l'intérieur à gauche. J'espère que vous m'entendez. Fiona? C'est vous? Oui. J'étais pas sûr d'arriver à faire marcher. Écoutez, le RCC ne va pas être facile à récupérer, mais vous pouvez y accéder par le bureau de Sérène. Un ami à moi a ouvert la salle du RCC, mais le reste de la zone est toujours bouclé. Je crois que je peux vous aider. Comme ça. Merci. Je confirme. Sérène est en bâtiment. Normalement, vous ne devriez pas le croiser. Mais quand je suis là, il me dit que c'est juste à côté. C'est là. Ok, 1 sur 3, je sais plus à combien je suis. On a 3, c'est vraiment pas ouf. Voilà. Bienvenue au siège international de Monarch Solutions. Cet édifice Monarch Solutions est célèbre dans le monde entier pour son architecture unique et sa place centrale dans le paysage de Riverport. Monsieur Hatch, vous croyez, ils ont dit que vous étiez mort. Dans le respect des dernières normes de confort et de sécurité et doté d'une empreinte carbone nulle, ce bâtiment constitue un lieu montez de ou off monter donc. S'il n'y a pas un truc par là. Pauvre, il n'a pas la moindre idée que le train a déraillé. J'espère qu'il n'aura pas une crise cardiaque en empreinte de carbone nulle. Mais dans ce cas, personne ne craint rien. D'autres ennemis?
tire pas droit, c'est quand même dans le jeu. Ouais, spam, ça pourrait passer. Voilà. C'était moins une, ok. Où il sort, lui? Et lui? Et lui? Et lui? Et lui? Et lui? Et lui? Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette scène là? Pourquoi il y a des mecs qui tombent de nulle part? Donc là, il y en a qui sortent de l'ascenseur. Du coup, ils sont choqués là. Qu'est-ce qui se passe au juste? Elle là. Attendez à un poil plus d'organisation. Monarque est passé à la vitesse supérieure. Ce programme de survie. Soit vous êtes dedans, soit vous l'êtes. Elle est choquée de dingue. Oh non! Des gens qui tombent du ciel! Personne ne sait ce qui se passe. Il est drôle. Vraiment pas envie de sortir. Les ondes radio, j'utilise terminologie anti-interruption à la place. Ok. Ils n'ont aucun moyen de comprendre ce qui se passe. Ils doivent être terrifiés. Le son est tout excellent. Bon bah là y'a rien de plus. Cette scène là est assez incroyable. Ok. Je comprends pas pourquoi il y a des types qui tombent de là, par contre. Je me rapprochais de la contre-mesure. Paul avait la solution pour arrêter la fracture depuis le début, mais il l'avait pas compris. Il n'y avait rien à comprendre. Il pensait que le processus était irréversible. C'est pour ça qu'il s'est servi de la contre-mesure, du RCC, pour créer la capsule temporelle. Ah. Ah, c'est le docteur! Là-bas. D'accord. Putain, mais c'est quoi ça? D'accord, merde. D'accord. D'où les mecs qui volent. Ok. Ok. Ah, c'est pas là où je voulais faire eux, c'est là. Ces hommes mouraient en luttant contre quelque chose hors du temps. C'est précisément la raison d'être de notre programme d'armement. Seren savait ce qui nous attendait. Les armes ne faisaient pas le poids. Ouais, non, j'ai ça, je vais garder ça. Pour l'instant, c'est bien mieux. Fiona, vous pouvez m'ouvrir cette porte? Je crois. Désolée, c'est pas vraiment ma spécialité. Je connais un gars qui pourrait faire ça les yeux fermés, mais il est aussi fiable qu'un... Ah, j'ai parlé trop vite. C'est bon. Du coup, je vais devoir me battre contre ce truc là ou. Là, ils le regardent tous là. Non, mais en fait, ils regardent juste la porte. C'est marrant ça quand même. Deux là, j'ai bien vu. Ça risque d'être extrêmement chiant. Extrêmement chiant. Pourquoi tu t'arrêtes? Ouh. Hop. Ils vont tout péter ces crevards là. Oh, ça fait tellement relou. Ça lui fait toujours des dégâts normalement. Ça l'a raté.
Et lui, la fraîcheur déjà. Ok les gars. Ah, vous avez vu? Ça se reforme. Vous êtes déçu un peu, hein? Vous, t'es déçu. Je jure que non, mais t'es déçu. Le seum, hein. Ouch. Moi. Lui s'excite un petit peu, mais c'est pas grave. Parce que tu tires plus que l'autre que... T'as vu, juste à côté, qu'est-ce que tu vas faire? On a ça, bon, on va rester au-dessus. On va pouvoir le mitrailler. On fait de la lumière du coup ici, hein. C'est le bordel un peu. Le paquet était mis sur la communication. L'opinion croyait que Monarch s'occupait de ce qui dépassait les forces de l'ordre. Et qu'il luttait contre une menace terroriste. Contre... vous. Contre... vous. Viens, bouge toi. Si. Fiona. J'essaie d'atteindre la passerelle. Monarch était à bout de souffle. L'empire de Paul s'effondrait de toutes parts. J'avais jamais rien vu de tel. Mais Paul, si. C'est à ça qu'il s'était préparé pendant toutes ces années. Sans grand succès, malheureusement. Je suis sûr qu'ils ont même pas réussi à le blesser. J'ai pas l'impression. On fait défoncer tout ce qui s'est passé. Ils se sont fait fumer. Fumer. Comme du saumon. Bon, je vais prendre ça, ils ont tous de ça. J'ai plein de munitions. De merde. Ouais. C'est cher toi quand même. Oh, ta douille. Ah. Ça me fait 4. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est près de la fin. Oh, mais j'ai rien à 4. J'ai juste un truc à 6. Ça qui fera 1 et 4 du coup. Voilà, ah, on va garder voilà. Voir si on peut augmenter l'autre. On tape. Vous allez y en voir ici? Nope. Il y a une machine ici. Mais... ah. Alors c'est ici que le noyau de l'université a atterri. C'est la machine de Paul. On dirait qu'il la garde au dernier étage. Et ça aussi. Je crois que j'oublie un PC là-bas. C'est pas grave. On fout un peu. Donc on ne pas les pouvoirs et pouvoir, il y en a encore donc juste là.
Il doit être derrière. Je vois vraiment rien. Ah. Faire ouvrir, Fiona. Vous êtes devant le bureau de Sirène. Bien. On sent le doute. Il semblerait que un train va percuter le bâtiment. Ouais, un train. Qui surveille. Ouais, c'est bon. Soyez prudent, ok? Eh oui, je serai prudent. Paul n'était déjà plus là, mais il avait laissé sur place la seule chose dont j'avais besoin. Nous avons une mission. Préparez l'hélico. Paré au décollage dans 15 minutes, monsieur. On envoie qui? L'équipe tactique au complet. Et on aura besoin d'une unité technique pour le démantèlement. Je l'ai pris franchement. Bien reçu. Bonne chasse, monsieur. Allô? Je t'emmerde. J'arrête de jouer. Je veux ce que tu as volé. Oui, bien entendu, le RCC. Si seulement tu comprenais l'importance de cet objet, tu n'y toucherais pas, mais je sais parfaitement que tu t'en fiches. T'as raison. Je m'en fiche. Et t'es pas là pour m'arrêter. Oui. Oui, effectivement, tout va se dérouler comme ça doit se dérouler. On se reverra bientôt, Jack. Donc lui, il est à l'université. J'en ai assez d'écouter tes conneries, espèce de taré. Il n'y a eu que quelques minutes entre les interruptions. La contre-mesure était ce que Paul avait de plus précieux. Tout ce qu'il avait bâti reposait sur la machine de Will. Tout son plan en dépendait. Évidemment que j'avais hâte de la lui prendre. On a de plus en plus de fractures, là. Pendant des années, Paul a dirigé Monarch dans l'ombre. Ça n'a pas dû améliorer son problème de déconnexion de la réalité. On est à 3 sur 3, ce qui me fait... donc 5. Et comme on pourra jamais améliorer un truc à 6, puisque on est au max et qu'on est au dernier acte, à moins qu'il y ait une autre map après. Oh, temps de charge diminué. Bouclier, ça pourrait être cool. Détection de la menace prolongée, c'est vraiment pas super utile. Bon, on va voir s'il y en a après dans l'autre map. Plus intéressant et plus utile. Oh, c'est chiant ces phases où on peut pas courir pour de vrai. On marche doucement comme un gros débile. Il a vécu 17 années, deux fois. Il avait tout reconstitué, de mémoire. Il connaissait les tendances du marché à l'avance. Il avait tout le nécessaire pour faire fortune, alors il l'a fait. Le bâtard, j'aimerais bien pouvoir faire pareil. Paul avait vu ce qui allait arriver.
Ça l'avait dévasté. Il refusait de penser qu'on pouvait influer sur le cours des choses. Et il a rejeté tous ceux qui auraient pu le convaincre du contraire. Paul était un homme de pouvoir, à la tête d'un véritable empire. Mais au-delà de ça, il était mourant. Les signes ne trompaient pas. On passe notre temps à écouter des trucs. Quoi. Un seul type. Vraiment. Écoute, c'est pas toi qui va m'empêcher d'accéder au RCC. T'as pas l'air assez en forme pour ça. Mais... comme tu voudras. Évidemment. Mais j'ai pas mis pour. Putain de truc. Ouais. Alors que je désactive cette merde. Lâche-moi. Ah, on peut pas le désactiver cette merde. Ok. Ah, on va bien rigoler du coup. Ah, on va être cool hein. Où t'es passé? Ah bah t'es là. C'est mauvais dis donc. Leighton. À en voir son expression, j'avais plus de doute. Paul les menait en bateau. Il pensait qu'ils agissaient pour la bonne cause. La capsule tout entière reposait sur la contre-mesure. Liam Burke, ça lance était une victime. Il savait que je finirais par tenter ma chance. Une de plus dans le lot. Pour toute évidence, il avait raison. C'est bon? Ouais. Ils avaient toute une réserve de particules chronon extraites de la zone zéro pour alimenter la capsule. Suffisamment pour espérer tenir jusqu'à ce qu'une solution viable soit trouvée. Fiona, je suis devant la salle du RCC. La porte est fermée. Ça dépasse largement mon niveau d'autorisation, mais... vu que mon ami a désactivé la sécurité tout à l'heure, je devrais pouvoir y arriver. Écoutez, j'ignore ce que vous avez prévu pour la suite, mais tout repose sur vous. Bonne chance. Merci. C'était comme si j'entrais dans un sanctuaire. Il y avait des traces de lutte dans la salle. Où étaient gardées leurs reliques sacrées. J'ignorais ce qui s'était passé, mais quelqu'un avait nettoyé l'endroit derrière lui. Un homme du nom de Charlie Wincott. Je crois qu'il a essayé de s'opposer. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Genre, ils l'ont déjà mis dans un sac et tout. N'importe quoi. Oui, c'est comme ça que vous traitez vos employés. Ah, succès déverrouillé, le savoir c'est le pouvoir. Et voilà. Putain, mais qu'est-ce qu'on est fort, Bon. Will avait mis 11 ans à construire la contre-mesure. Bess était morte pour elle. Et je savais qu'elle pouvait réparer la fracture. Cette saloperie. Le problème, c'est que j'ignorais comment elle fonctionnait. Le seul expert que je connaissais était mort. Mais grâce à Monarch, j'avais un moyen d'aller le consulter avant que tout ça arrive. La machine a voyagé dans le temps de l'université. Son noyau est ici. Monarch avait conçu sa propre machine, au-dessus de la salle du RCC. C'est là que je devais aller. Vous pensiez pouvoir revenir dans le temps et sauver votre frère? Oui. J'ai essayé de regarder où est-ce qu'il a pu mettre le RCC, mais... je vois toujours pas où est-ce qu'il a rangé. Bon, on est près de la fin là. Hein.
a pu rester beaucoup grand chose. Paul avait pris le noyau de la machine de l'université pour le relier à sa propre machine. Ce besoin maladif de tout contrôler. Mais ça m'avait donné une dernière chance de tout arranger. Je pouvais remonter le temps. Et peut-être retrouver Will avant que Paul lui tire dessus. Et si j'arrivais à placer la contre-mesure dans les mains de Will, je pouvais peut-être tout remettre en ordre. Ben voyons voir ça. Donc là ça va fight soon. Une arme là, un sac là-bas. Des ennemis vont forcément. Le noyau était en place, la machine était prête. J'avais plus qu'à déployer le couloir. Oui. Il y a une partie ici ou pas? Oui. Bon, ça devrait le faire. Déploiement du couloir. Phase 1 en cours. À tout le personnel, veuillez. Oh. Je peux pas le laisser. What the fuck? Et cela on y a plus loin. Par fracture du coup, j'en fous. Ça pourrait être suffisant. Salut. Allez, dash, bordel! Qu'est-ce que t'attends, espèce de gros con? Sérieux? Tu vas me faire crever. Ah, t'as des petites munitions. C'est pas très bon, par contre. Calme-toi, j'ai dit! Je voulais aussi à changer de côté à chaque fois. Allez, quoi? Ah bon, le truc qui explose direct. Impeccable. J'ai toujours pas de pouvoir du coup. Non, toi tu mords. Enfin. C'était une erreur. Excusez-moi. C'est une blague. Non, mais genre tu me touches là, arrête. Arrête, calme-toi. Regarde. On fait ça. Là par contre. Je peux pas rester là. C'est une blague. Fais ça. C'est bon, allez. Non. Bon bah voilà, je ménage là. Il reste les gros qui cassent les couilles là. Il y en a un normal là-bas. Il code c'est un peu non. Aïe aïe aïe. Je me suis mis double protection là. Encerclez-le. Où es-tu? Je ne vois rien. Attends, regarde. On prend des munitions au cas où on sait jamais.
C'est tout? Ça, ça l'a achevé, ça? T'es sérieux? Mais c'est une grosse déception. Dis donc. Oh, mais de rien. Petite machine extrêmement lente. La machine était prête. Il me restait plus qu'à programmer la date. Ah. À programmer la date, quand même. Je pouvais pas remonter plus loin que quand le noyau avait été activé pour la première fois. À l'université. Ça vous laissait peu de temps pour sauver votre frère? J'avais pas vraiment le choix. T'as intérêt à tenir tes promesses. Allez, acte 5, partie 2. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Normalement, si je me rappelle bien, il y a 3 parties. Donc du coup, Sun Tem. Salut les gars. Oh merde! Arrivé juste après le début de la fracture. Trop tard pour l'empêcher de se produire. Mais pas trop tard pour sauver Will. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de le trouver à temps. Ouais. C'était le plan. Comment elle nous met dans la gueule, quoi? Tout ce que vous aviez à faire. Bâtard. Équipe Raider 3, interception immédiate. Préparez une autre équipe d'extraction pour récupérer le noyau. Ah. Allez là, fais pas chier. Il y en a un là-haut. Voilà. C'est fermé. Je vais devoir trouver une autre issue. Je sais que c'est fermé, mais en fait, mon but, c'était pas ça, c'était ça. Du coup, déflagration temporelle ou bouclier temporel. On se sert pas mal du bouclier maintenant. Ça pourrait être très utile d'augmenter la puissance du bouclier. Voilà. Et après, il nous en reste que 5, donc dès qu'on a un truc, on augmentera ça. Et voilà. Je dois aller à la bibliothèque. Peu importe, on en a un sur 5, donc il reste que 4. Il manque un des d'autres encore après. Je dois retrouver Will avant qu'il soit trop tard. Équipe Prowler, préparez le personnel d'intervention dans le parking souterrain. J'ai perdu le contact avec l'équipe Raider 3. Il se passe quelque chose. Bordel, où est l'équipe d'extraction? Donc 3. On devrait déjà avoir chargé le noyau dans l'hélico à l'heure qu'il est. Vous avez raison. On aurait dû envoyer Liam Burke en premier pour s'occuper de ces enfoirés. Les gens ont été capturés vivants si possible. Vivant, c'est pas dans les habitudes de Burke. Merde, c'est un gros, ça va faire chier. C'est la cible! Oui, c'est une putain d'équipe d'extraction! Toi ta gueule. L'autre où est-il? Ah il est là. Viens, 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 vas-y suis-moi, voilà. Oh mais viens. Ouais.
de faire ça. Complètement con, mais ça me fait rire. Voilà. Mange ta tête. Attends. Je me suis souvenu que oui, il m'a 5 balles. Dirigé vers la cour quand l'interruption avait frappé. C'est là que je devais l'intercepter. Il y a des munitions ici. Ok, ça c'est fait. Est-ce qu'on a un pouvoir dans le coin? Non, sinon ça nous aurait mis le cercle. Ah. Pourquoi ça passe pas à travers, putain? Comment j'y vais? Ah, mais on est sur une fracture, je n'ai même pas remarqué. Est-ce qu'on a... Oui, on en a un par contre ici. Là, ici même. Hop. Donc ça on a dit, vu qu'on n'aurait pas assez de toute façon, on va augmenter l'onde active direct. Tac. Voilà. Genre stylé ça. Ah mais de toute façon il faut que je fasse un truc avec ça. Vous n'avez jamais essayé d'empêcher Monarque de prendre le noyau? Le fait qu'il l'avait volé avait conditionné mon retour dans le passé. J'avais pas trop envie de bouleverser cette logique. La caisse elle se barre? Non. Je vais par là-bas. Oh merde. Ah, j'avais qu'une balle. Dommage. T'es bien tenté. Putain, elle me fait trop chier cette arme, putain. Ça par contre c'est les OS, donc je vais en profiter. Merci. What the fuck? Ah ça les arrête vraiment pas longtemps. Hein. Ça par contre ça marche quand même. Voilà. Oh, oh, trop stylé. Tellement stylé. Tellement stylé. Donc, des munitions ici, ça c'est déjà pas mal. Une particule ici, là-bas. Et ça ici. Le parking souterrain. Excellent. Ça doit être le chemin le plus court. Il est sérieux à sauter sur un petit truc comme ça. On n'a rien d'autre apparemment, si ce n'est ce truc là. Les mecs qui en sortent ou pas? Ah, bah attends, on veut bien one shot direct. Ça me fera plus chier. Voilà. Voilà. Oh non, le relou. Ah merde, ils font partie de ceux qui bougent pas. C'est très perturbant. Derrière.
Il t'en faut des balles, mon gars. Bon, bah voilà. Ah. Désolé, mon pote. Quand Will et moi avions fui le labo après l'expérience, j'avais eu l'impression que Monarch était aux prises avec quelqu'un d'autre. En fait, c'était moi. Ça va être le bordel, là, entre les trucs qui vont s'arrêter, reprendre. Bon, ça peut me donner des avantages stratégiques de temps en temps. Ça peut être pas mal. Il y en a encore un normal ici. Ok. On a toujours un pompe là. Où est le gros? Oh, comment je l'ai calmé? C'est ton bordel. Ça lui calme bien quand même, hein, semi-auto. Pas fait mal, hein. C'est impossible. Vous êtes sûr que c'est Joyce? J'ai besoin d'une confirmation visuelle. Ah bah là, ça va être dur, une confirmation visuelle. On est tous morts. Il semblerait pas qu'il y ait de pouvoir ici. Ah, bonjour. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Il me faut le code pour la porte. Je le connais pas. Allons voir Wayne. Ah, là. Le système d'ouverture. Je les ai rect. Il me faut le code. Erect. Il faut aller voir Wayne. Wayne, oui. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Faut le code pour la porte. Ils ont besoin de moi. Je le connais pas. Allons voir Wade. Allons voir Wade. Je sais pas qui c'est, moi, Wade. Je sais pas où il est. Il me fait chier. Bon. Comment je l'ouvre maintenant? C'est cool. Wade. Le bleu là. Ah, c'est juste une arme à la con. Non. Ah. Là, c'est le moment du fun total, quoi. Ok. Très bien. Toi, Wade? Non, y'a personne. Bah c'est bien. Faut qu'on fouille. C'est rigolo. On va bien s'amuser. On se barre pas que ce soit ici. Hein. Wade. Ça marche pas. Il monte quoi le truc là? Ouais, au milieu. Ils disent rien quoi, par. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Il me faut le code pour la porte. Ils ont besoin de moi en haut. Je le connais pas. Ouais, par je le connais pas, faut aller voir Wade. Qu'est-ce que dalle. C'est le fun total. C'est vraiment le bon fun là. Là, c'est l'amusement à son paroxysme. En plus, je vois rien du tout, quoi. Hop.
Nope. Cool. Eh ben, c'est cool. Qu'est-ce que c'est, bordel? Je ne comprends pas. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Il me faut le code pour la porte. Ils ont besoin de moi en haut. Je le connais pas. Allons voir Wade. Mais what the fuck? Bon, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Parce que là, je ne sais pas. Ça me dit de venir ici là, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est. J'ai bien compris qu'il fallait aller voir Wade, hein, ça. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Il me faut le code pour la porte. Je le connais pas. Allez voir Wade. Voilà, super. C'est cool. Allez voir Wade. Allez voir Wade. Ah non. Calme-toi, n'explose pas voiture. Je sais pas, si je les suis. Une fracture temporelle là, un truc qui cloche, je sais pas. Ah, pardon. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Je ne vois pas. Ah. Burke. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Il faut le code pour la porte. Ils ont besoin de moi. Je le connais pas. Allons voir Wade. Ils disparaissent comme ça d'un coup là. Revenez! Il y a forcément un truc que j'ai pas vu ou oublié. Il me faut le code pour la porte. Ils ont besoin de moi. Mais non? Mais what the fuck? Ah bah si! Ah mais c'était pété! Ah ouais. Okay. Voilà. Tes hommes de se tenir prêts. C'était cassé. On savait que c'était lié à ça, c'était bougé, mais. Par là, ah bah il est là. Son j'ai assez, j'ai pas assez pour acheter quoi que ce soit. Ok, j'ai branché ce bijou sur le contact. Et voilà. Ah, j'ai oublié qu'il pouvait y avoir d'une dans le jeu. Quoi, j'ai pas de pouvoir. Ah. Calmez-vous. Restons en dehors de la zone du truc déjà. Les canardés d'ici, ce sera bien. Allez, montre-toi. Je dois pas rester. Voilà. On dirait qu'il est branché ailleurs. Ça alors, c'est dingue. Suivons le gros câble jaune du coup. Ah mais il est branché là. Oula. Merde, c'est pas bon ça. Quoi? Ah oui, c'est le mois du... Oui, d'accord. Ok.
patrouille est toujours là. Comment Joyce a pu venir à bout de l'équipe Stryker? Il a des complices, c'est sûr. Je pense qu'ils sont au moins 5 à travailler ensemble. Alors reste sur tes gardes. Au moins 5. Il voit que dalle là par contre. Il y a un gros là-bas. Ennemi en vue! Surprise! Et on y va. Quand il part, on va d'abord s'occuper de lui. What the fuck, ça a pas touché. Ouais. Meurs, merci. Ça les touche pas, ça va. Bon voilà, hein, c'est bon. Un moment, voilà. Ça suffit. Bon, je dois aller à la bibliothèque. On saoulait, en vrai. Où est-ce qu'on a des trucs à lire ici? Oh oui, là-bas. Comme électricien, on ferait Will avant qu'il soit trop tard. Y'a pas de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Oh, merde. Trop tard, faut que j'arrive à la bibliothèque avant lui. On m'a dit de monter la garde sur les toits. On a déjà des hommes là-haut. Ils en veulent plus. Allez vous plaindre à Sirène si vous n'êtes pas d'accord. Tiens, c'est bef. Allez à la bibliothèque. Donc là, on devrait y retrouver Paul. On a récupéré le noyau de la machine à voyager dans le temps. Voilà, ils ont le noyau. Ok. Bess. Ouais, ouais, il y a même une Fofanac. Il regarde à moitié. Hein. On va faire sauter la bibliothèque dans 5 minutes. Deux trucs, tu vois. On a perdu le contact avec l'unité de sniper. On a respecté toi en ce moment même. Tenez-moi au courant. L'unité de sniper y est passée. Il n'a pas pu faire ça tout seul. On doit trouver qui manque à l'appel. Josh, c'est sur le toit. Négatif, il est dans la bibliothèque. On va tirer dessus. Où est-ce qu'il est? Répondez-moi, mortel. Ah. Joyce. Ah, je suis baisé. Ça sera pour toi alors du coup. Bon. J'ai un peu full comme un gros cover. J'ai juste un gars random. Ah. Ah.
Ça coûte de rien, tiens, ta gueule. Est-ce qu'on a un petit sac à dos? Eh oui, et là, un sac à dos avec des munitions, impeccable. Vous avez entendu. Repliez-vous. Tiens bon, Will. J'arrive. Bon, par où qu'il faut qu'on passe? Voilà. Uncharted, tiens-toi bien, attention. On tombe break. Bon, je dois aller à la bibliothèque. Alors qui est-ce qu'ils ont vu? J'ai l'ennemi en visuel. C'est lui. Oh, putain, mais... C'est bizarre ce jeu quand même. On avance vers l'ennemi. Bon, j'étais pas sur eux, je crois. J'aurais dit que c'était passé à travers, c'est trop bizarre. Oh oh oh. Ok. Ok. Bah toi, on va pas se faire chier. Hein. Ça n'a pas marché du tout, hein, c'est bon. Voilà, ça va, pourquoi mon pouvoir n'a pas marché. Tu vas prendre une douille quand ça va s'arrêter le temps. Et... Voilà, pas plus. Ah! C'est des gros, hein, donc voilà. Il est toujours là! Il est toujours là! Oh, ça marche pas. Putain, ça touche pas la. La hitbox! Ah, voilà! Du coup, quand ils étaient à côté, en tout cas. Tu là? Voilà. Ici numéro 1 Monarch. J'approche de l'arrière de la bibliothèque. T'as pas visé en face? Non. Est-ce qu'on a notre fameux sac à dos? Putain, il met toujours des sacs à dos avec munitions limitées, quoi. Tout aise. Je dois descendre. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tout le monde démarre? Attendez pour détruire la bibliothèque. J'entre. Oh, putain! Attention, ça lui a fait mal quand même. Hein. Il sautait de très très haut. Will? Il est déjà parti. L'entrée. L'entrée, j'ai plus beaucoup de temps. Ouais, personne ne les entend, juste gueuler. Will, c'est de la folie. On risque rien à essayer. Au contraire. Et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi, Will. Ah, ah. Allez-y. J'ai jamais voulu ça. On bouge. Monarque l'a toujours eu. Est-ce qu'elle marche? Tu es venu du futur. Pour moi.
Il y a encore la fracture. Pas encore. Elle marche ? En théorie, oui. On doit aller à ma machine. Elle doit nous ramener d'où tu viens. Non, le futur. Non. On n'a pas le choix. Faut qu'on arrête la fracture, ici. Aujourd'hui, maintenant. Non, écoute-moi. La fracture n'était pas réparée là d'où tu viens. Donc on ne pourra pas l'arrêter ici. Des gens vont mourir, Will. T'as pas vu les événements entre maintenant et après ? Mais toi, si. Ce que tu as fait a créé une chaîne d'événements qui ne peut pas être brisée. On n'en sait rien. Et si elle pouvait être brisée, ça pourrait mettre le monde entier en péril. On n'a pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup trop en jeu, Jack. Je sais ce qui est en jeu, ok ? Alors tu dois l'accepter. Tout ce que tu as fait pour arriver ici était nécessaire. Crois-moi. On ne change pas. Le passé. Le futur n'est pas... Par ici. Ça sent la fin quand même. Si ce que tu dis est vrai, alors comment j'ai pu te sauver ? Je t'ai vu mourir, Will. Réfléchis, Jack. Tu m'as pas vu mourir physiquement, n'est-ce pas ? Non, j'ai vu le toit s'effondrer sur toi. Et tu as cru que j'étais mort ? Oui, c'est ce qui t'a amené ici, pour t'assurer que ça resterait une illusion. Tout ça est une boucle. Si on voit le temps comme un œuf, alors... Arrête avec cette histoire d'œuf. Excellent. Baisse-toi. Par ici. C'est une vraie boucherie là-dedans. J'ai besoin d'air. Les nettoyeurs ont intérêt à se manier. Attends qu'ils soient partis. Bon, je sais que c'est dur à avaler, mais le fait que tu aies réussi à me sauver tout en maintenant l'illusion de ma mort vient renforcer la théorie que je défends. Le passé reste toujours intact. Si on s'en rien ne change. On risque rien. Et le principe de cohérence de Novikov triomphe. Ok. Oh, super. On fêtera ça plus tard si tu veux bien. Ouais. Allons sauver le monde d'abord. Bien. On va rejoindre les autres. On n'aurait pas pu plutôt les buter ? Un truc plus rapide ? Je te suis, hein ? C'est bon, ils sont partis. Allons-y. Je suis surpris de voir que tu as attendu. On croirait presque que tu m'écoutes. Bah, la dernière fois que je t'ai pas écouté, la fracture est apparue. Allez ! Alors je suis tes ordres, maintenant. Ça ressemble pas à mon frère. Je sais. Avance. Ok, par ici. Il serait trop dangereux de les aider. Je sais ce qui va arriver si je fais rien. Et ça arrivera quand même, Jack. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'exception. Si tu te foires en essayant de changer ce qui ne peut pas l'être, ça pourrait nous être fatal. Je t'en prie, Jack. Notre avenir en dépend. Tu as dit que Monarch avait la contre-mesure depuis le début. Comment ? Pourquoi ? Paul s'en servait pour alimenter un genre de programme de survie délirant. Ils ont dû l'utiliser comme une sorte de régulateur de champ de chronon localisé. Ah, ça c'est nous qui avons foutu le bordel ici. C'est la scène du début. J'ai toujours cru que c'était Bess Wilder qui avait la contre-mesure, à l'abri quelque part. Après tout, c'est elle qui m'a prévenu. Il m'a dit de le construire. Je sais. Tu l'as rencontré ? Est-ce qu'elle nous aide ? Elle nous aidait. Ah, je vois. Allez. Merde, attention ! Mais non, je les ai butés ici, normalement. Ah non, on se fait arrêter oui. Après ça. Par ici, vite ! Ça marche. A plus, Fofadak. Là, il est bouleversé.
Bon, dernière partie du dernier acte, les derniers moments. Ça porte bien son nom. Je vais pas cut, on va laisser comme ça, j'ai pas envie. Ce sera très bien comme ça. Jack, Joyce et Paul Seren sont meilleurs amis depuis leur putain d'enfance. Putain, les bonnes astuces, ça c'est de l'astuce. Incroyable. Les bons chargements aussi, hein. Toujours plus court. Et ben, le fun encore. Non, leurs astuces, c'est pas des astuces. Alors, c'est juste des anecdotes. Ils ont dilapidé leur héritage, un projet de recherche. Beth Wilder travaille chez Monarch Solutions. Mais elle semble mener une double vie. Pas des astuces, ça. Mets-toi un terme à tout. Écoute, ça. Écoute, je sais que je t'ai caché des choses. Mais quand j'ai commencé à travailler, tu étais si jeune. Et après, j'ai toujours espéré que tu ne serais jamais mêlé à tout ça. Ouais. Je comprends. Viens. J'aurais allons jamais dans le futur et arrangeons tout ça. Mais je crois que j'en ai raté un quand même dans le dernier truc. Dernier, ce sera fait quand même. Vas-y, mets-toi en dessous. Salut les noctambules, ici votre pote Bobby. Dites. Merde, elle est coincée par la rouille. Jack, tu m'aides? Ouais, oui. Encore un coup. Ok. Quand Monarch est venu démanteler la machine à l'université, Paul était coincé dedans. Il s'est échappé dans le futur. C'est quoi vrai. Qu'il ait vu là-bas, ça l'a changé. Il a réussi à trouver ma machine là-bas. Et il s'en est servi pour retourner en 1999. Et il a fondé Monarch. Il a fui Monarch, et il est devenu ce qu'il fuyait. C'est de la folie. J'aurais jamais dû construire la machine. J'aurais dû laisser les choses comme elles étaient. Allez, appuie sur le bouton. Ouais. Ok, on va aller dans le futur. Un peu après que tu es parti. Mais avant que la fracture n'arrête le temps à jamais. Je ne sais pas. J'ai un doute sur ça. Ça va être dangereux. Bien sûr, ça va être dangereux. Comme tout maintenant. J'ai vraiment envie d'essayer. Un peu après le moment où tu es parti pour me sauver. C'est notre marge d'action. Quand on sait que ça peut marcher. Mais avant l'arrêt complet du temps. Ok, ok. Il va falloir agir vite. Monarch était persuadé que c'était imminent. Comme si c'était des experts. Bah, c'en est.
tout ce qu'ils savent, ils me l'ont volé. Occupe-toi de ta partie et laisse-moi m'occuper de la mienne. Un peu présomptueux. Ok, Will. Ça me va. C'est incroyable. Pendant toutes ces années, j'ai... Merde. Ah. Attends. Fais chier. On lui envoie le one shot. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la machine? Allez. Oh, il s'est baissé. Petit saligo. Ah, d'accord, on a. Ah, mais il y en a encore là. Mais bordel. Oui. Je dois le faire bouger. On n'a pas le temps pour ça. Est-ce qu'il y a... Et impeccable. Notre fameux sac à dos avec plein de munitions. Vraiment génial. Vraiment de la chance qu'il y ait des sacs à dos qui soient plein de munitions tout le temps. Ne fais pas ça, Jack. Je ne sais pas comment Will a fait pour arriver là, mais... Oublie-le. Tout ça est plus important que toi ou moi. Tu sais que le temps va s'arrêter pour de bon. Oui, je le sais. D'où le plan capsule temporel. Une poignée de gens désespérés assis dans un bunker quelque part à attendre l'inévitable. Pour Saint-Paul. Tu as volé le RCC, Jack. Moi, je l'ai volé. Et tout mon plan en dépend. Alors, je veux que tu me le rendes maintenant. Je peux pas faire ça. Ok. Moi je peux. Vise, bordel. Bugué, c'est ouf. J'ai dû prendre beaucoup de décisions difficiles au fil des ans. Je ne m'excuserai pas pour avoir fait passer ma mission avant mes relations personnelles. The fuck? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord. Une zone à éviter. Ça marche. Oh putain, c'est pas sérieux, pas ici, pas maintenant. Oh putain. Trop relou, trop relou. Ne fais pas ça, Jack. Allez. Oui, il vise pas, putain. J'ai dû prendre beaucoup de décisions difficiles au fil des ans. Je ne m'excuse pas. Ça sert à rien, relation personnelle. Il tanque le type quand même. On doit le neutraliser. Avancez, donnez l'assaut. Où êtes-vous les mecs? Ah là, oh merde. Merde, nos deux plats. Il me faut... Attends.
Oh merde. What the fuck? Comment suis-je mort? Oh là là, il faut recommencer au tout début. Oh là là là, c'est tellement relou, tellement... Ne fais pas ça. C'est ce casse-couille. Très chance qu'on bat le boss. Ah, ça m'a pas laissé mon pouvoir. What the fuck? Mais quoi encore? Là, il y a un truc que je comprends pas. J'ai toujours buté comme ça ces ennemis. Alors. S'il y a là maintenant qu'ils crèvent, il y a une zone autour d'eux où toi aussi tu meurs, c'est ça? C'est quoi ce bordel? Je vais pas utiliser ça parce qu'après ça m'empêche de le faire. Premier ennemi. What the fuck? Ça me saoule ça. On va essayer de se les faire à distance du coup. Super mal fait, ça me suit partout par terre. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça me dirait que celui qui me défonce en fait. Mais pourquoi des fois on peut... Ah mais ça nique ses propres alliés. J'ai dû prendre beaucoup de décisions difficiles au fil des ans. Je ne m'excuserai pas pour avoir fait passer ma mission avant mes relations personnelle. Merci. Ça c'est n'importe quoi, on sait pas du tout. Ah, c'est tellement mal fait, putain. Merci pour le tuyau. Oh merde.
Ah, on y voit bien rien, c'est bien cool. Encore ? T'as fini là ? Putain ! Au noyau. Elle est conçue pour hypersaturer le champ de Meyer-Joyce de particules chronon. La machine a voyagé dans le temps, ainsi comme un amplificateur. Ça va provoquer une réaction en chaîne et régénérer le champ. Ça sera un événement universel. Je te fais confiance. Contente-toi de tout mettre en place. Jack, viens me donner un coup de main. C'est assez ouf, là. Le sang là. C'est assez dingue. Il est où? J'ai pas suivi. Merde. V8 Will. T'es où Will? On le voit nulle part là. Parti par là ou quoi? Il est en bas. J'arrive. Je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? La contre-mesure n'est pas assez chargée. Il va nous falloir un afflux de particules chronon. Un déclencheur. C'est toi. Le temps dans le monde entier. Ce qui avait été détruit l'était toujours. Les morts ne reviendraient pas, mais c'était fini. Jack. Will. Le temps avait repris son cours. Allez. Allez.
Je crois qu'on vient de sauver l'univers. Ouais. Où est Paul? Il est mort. Évaporé, enfin, peu importe. Will, il se trompait sur toute la ligne. Tu crois? Will. La contre-mesure a fonctionné. Waouh. La contre-mesure est grillée. Ok. Mais le champ de Meyer Joyce devrait être stable maintenant. Bien sûr, je vais devoir faire des tests pour confirmer. Mais il n'y a aucune raison de penser que la fracture n'a pas disparu. Une dernière question. Toute la philosophie de Paul Seren reposait sur le fait que le temps est immuable, qu'on ne peut rien changer. Au moment des événements, vous n'étiez pas d'accord. Mais après tout ce que vous avez vu et vécu, nous devons savoir. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Avait-il raison ? Peut-on changer le cours des choses? Je reviendrai te chercher. Fin. Apparemment, le perso principal, c'est l'acteur de la série Killjoy. Possible. Oh, il a fait pas mal de trucs, le mec. Hein. C'est... Comment ça s'appelle ? Sean Ashmore, ce que j'ai connu. Killjoy, je vois pas. Je sais pas, il a fait plein de trucs, mais Killjoy... Il était dans 2 X-Men, The Forest. Bon, je vais pas laisser défiler le. Je dirais que ça sert pas à grand chose. Pour ceux qui regardent la vidéo, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu au niveau de ce petit let's play. Bon, c'était beaucoup de... c'était très passif, parce qu'il y avait beaucoup de vidéos, beaucoup de choses à regarder. Et pour ceux qui sont passés sur le live, parce qu'il n'y a plus personne là, merci aussi. Et puis je vous dis à la prochaine pour n'importe quel type de vidéo. Allez, love you là. Ciao ciao.